tu peux faire de l'urbex là. Voilà, raison. Ah mais c'est pour tout à l'heure, ouais. Rien. Voici le château de Montrottier et je vais vous raconter son histoire. Au cœur des États de Savoie, le château de Montrottier occupe une position stratégique liée à la proximité de l'un des seuls passages permettant de franchir un torrent impétueux, le Fier. Les bâtiments de cette forteresse pentagonale s'ordonne autour d'un imposant donjon cylindrique. Bâtie au XIIIe siècle, la tour des religieuses constitue la partie la plus ancienne du château. Elle abrite aujourd'hui le cœur des collections de Montrottier. Les logis des chevaliers, le logis des comtes et la salle des gardes sont construits au XIVe siècle. L'emblématique donjon date du XVe siècle. Au cours du temps, le château perd son rôle stratégique et militaire pour devenir un lieu de résidence. Ce château, plusieurs familles s'y succèdent. Voici le nom. Il y a eu le duc Amédée VIII de Savoie de 1425 à 1427, la famille de Menton de 1427 jusqu'à la Révolution française, la famille du général Dufour en politique suisse de 1799 à 1839, la famille de Rochette 1839 à 1876, la famille d'industriel lyonnais le frère Jean de 1876 à 1906, et puis le plus important Léon Marès de 1906 à 1916, et je vais raconter son histoire. Je vais vous parler maintenant de ce dernier, Léon Marès. Né à Montpellier le 15 septembre 1854 dans une riche famille propriétaire de grands vignobles, il devient officier des haras. C'est un collectionneur passionné. En 1906, il vient s'établir définitivement à Montrottier. Le déménagement se fait par chemin de fer, ainsi les collections arrivent en gare de Lovani et sont disposées dans les salles du château. Il entre en 1909 à l'Académie Florimontaine. En 1912, il est élu maire de Lovani. Il participe à des fondations charitables au profit notamment des soldats mobilisés pendant la guerre de 14-18. Il décède le 14 août 1916 et lègue par testament du 22 octobre 1915 le domaine de Montrottier et 200 000 francs à l'Académie Florimontaine, à condition qu'il soit enterré sur ses terres, qu'une messe annuelle soit célébrée à sa mémoire et que ses collections soient laissées en l'état et ouvertes au public. Oh, c'est sombre, hein. Ah oui. Tu me connais, je le vertige, hein. Thank you.